Alessia, Darko e Mickey sono il nostro conduttore jusqu'à Colachin et ainsi les prochains trois jours, on fait deux jours de Colachin et troisième de Colachin à Jabliak, si vous avez votre programme. Je m'appelle Igor et je les y ai vers. Je serai votre guide pendant deux jours. J'espère bien que je vais vous présenter un petit peu de Monténégro au niveau de nature. Et vous faire revivre les choses inoubliables. Donc, Monténégro, 14 000 km². 650 000 habitants. On utilise l'euro. Les banques Monténégro, ils ont mis le capital à la banque allemande, garantie, je ne sais pas quoi, je ne suis pas banquier, je vais perdre la Suisse. Je ne connais pas ça. Mais en fait, l'euro, il est là depuis le début 2012. Au niveau de langue, moi j'ai appris la langue serbo-croate comme j'étais né. Je suis né en Yougoslavie. Nous, les Monténégrins, on était toujours yougoslaves, même aujourd'hui. Ok, on est en état maintenant. Déjà, ils ont évolué aussi en langue. Même les Monténégrins, ils aiment bien être les premiers dans tous les niveaux. Nous, on a trouvé les deux nouvelles alphabets depuis cette année-là. Vraiment, on a des talents de découvrir les langues. Maintenant, les enfants, ils apprendront la langue monténégrin à l'école. C'est la langue officielle de l'État, on a un parlement, on a la police de frontières et on a un petit condicon militaire professionnel. Chez nous, service militaire n'existe pas depuis 2006. La population monténégrin, généralement, maintenant, les gens ils disent que c'est orthodoxe. On a les catholiques, on a les mohammedans, on a les bouddhistes. Et bien évidemment, généralement, on était le communiste. C'est à cause de ça, la capitale qui s'appelle Podgorica aujourd'hui, il s'appelait à l'époque Titograd, à cause de notre cher Marshal, Feldmarschall. Maintenant, on aime bien participer à l'Europe. On espère 2013, ce sera l'année où on sera aussi l'Européen, comme on est l'Européen. Maintenant, l'Union, on va voir, j'espère bien, parce qu'on est l'Européen. Monténégro, ça ne se trouve pas en Afrique. Donc, la guerre de Monténégro, c'est en fait la ventre de l'Europe, si on regarde géographiquement. Voilà. Si vous avez tout filmé, si vous n'avez pas envie de fumer une cigarette, on peut continuer. On est là devant le monastère Moratxan, un des plus anciens monastères de l'Europe, on peut dire, construit au deuxième siècle par la dynastie de Stéphane. Il est connu à cause de fresques que l'on voit dedans, même entre le 13e et le 20e siècle. C'était une école d'iconographie, ça s'appelle, je ne sais pas si vous dites. Iconographie, c'est le mural en français. Donc, pourquoi il y a les icônes? Après la Deuxième Guerre mondiale, comme partout dans l'Europe, aussi chez nous, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient ni lire ni écrire.
Donc, l'iconographie, c'était un moyen de repasser l'histoire de la Bible. Donc là, on peut voir aussi une icône qui date du XVIIe siècle. C'est une sorte qui est vraiment authentique. C'est toutes les autres. La dernière fois, le monastère a été restauré en 1987. Restauré au niveau de peinture. Et maintenant, je crois que c'est aussi un bon moment où il faut un peu refaire le fresque. C'est un monastère orthodoxe. C'est un monastère orthodoxe et surtout serbe. Sui ebrei? Francesi. Le grand jugement, en fait. Quand quelqu'un est mort, il prend un ticket que aller et pris là-bas. Il attend. T'es fait beau, t'es fait mauvais. Cette monastère était construite en 1252. Le fior Stéphane de Nemagna. Fior de Nemagna, c'était quelqu'un très grand, il a dit qu'il a fait des grands voyants de Nemagna à la mort de Tsar Dushan. Malheureusement, le monastère était découvert au XVIIe siècle, donc avec une bataille avec les Turcs. Les gens qui utilisent les hommes turcs, on ne peut pas dire turcs, c'est les Ottomans. C'était une affaire où les gens ont utilisé le cancer. Donc, à cette époque, l'empire ottoman, c'était un seul coin de Monténégro qui n'est jamais occupé pendant 500 ans. Alors, on se partage encore au clan, au Mont Corse. Donc, ici, c'est le clan de Morača. Dans le XVIIe siècle, les Monténégrins, ils ont eu les fusils, mais ils n'ont pas eu les munitions. Et comme l'étoile était de fer, ils ont découvert l'étoile pour préparer le bol, pour combattre avec les Turcs. Et il n'était pas très bien couvert pendant plusieurs années. À cause de ça, le monastère, il était, les fresques, surtout, ils n'étaient pas mal. Come una sacca. O buono. Oggi c'è qualcosa da rapire, c'è un miracolo. Come una sacca. Qualcun altro va a comprendere. Non, ça dépend si on croit ou on ne croit pas. C'est toujours les croyances, je crois. Si on croit quelque chose, ça va marcher. Mais si on ne croit pas, ce n'est pas la peine. Donc moi, je crois toujours que ça va marcher. Comme j'ai soif, je bois et la soif, ça passe. Chaque fois.
1889, à Kolachin, il a travaillé 2 jusqu'à 300 personnes à travailler aux États-Unis. Même la père de mon grand-père, arrière-grand-père, il allait beaucoup en Alaska et tout ça. Et un grand pourcentage de ces gens, ils ont revenu ici en 1916, se battre contre l'Autriche-Hongrie et de leur famille. De ça, je vais vous parler à Cetinje, parce qu'il y a aussi là-haut un monument fait pour les volontiers monténégrins qui sont revenus de l'États-Unis à se battre. Voilà. Aussi, chose traditionnelle d'époque, ça c'est plutôt maintenant l'histoire jusqu'à 1918-1941. On a eu aussi la guerre des Balkans, 1910-1912. Excusez-moi, je vais vous présenter, ça c'est le costos de mausolée d'Anica Kujović. Elle s'excuse à cause de la lumière parce qu'il a des travaux maintenant qu'ils sont en train de faire. Donc l'électricité ne marche pas tellement comme il faut. Ça, c'est aussi une maison qui s'appelle Savrdak. Pendant 500 ans, combattant contre les Ottomans, un grand pourcentage de familles, il a vécu dans les hauteurs, bien cachés dans les montagnes. Loin du chemin, il était obligé de changer le lieu où il habitait. Donc ils ont construit la maison comme ça, ça s'appelle Savardak. Aussi une maison typique d'époque, d'ici, donc le sous-sol en fait, était toujours un peu dans la terre, de pierre, et après le reste il était de bois et de la glace. L'étoile était faite de glace. Comme partout à Monténégro, après la Deuxième Guerre mondiale, cette église était aussi fermée. Comme j'étais petit gars, on a joué le football ici. C'était pas mal aussi, quoi. On ne s'est pas beaucoup demandé est-ce que quelqu'un fait croix avec les mains gauche, main droite. Donc c'était tout à fait égal. Est-ce que quelqu'un il est croate, il est serbe, je ne sais même pas maintenant qu'est-ce qu'ils ont évolué, prendre de nouvelles nationalités. Mais maintenant, la dernière nationalité découverte chez nous, c'est bosniaque. Ah, oui. Imaginez-vous, je parlais hier, on a vraiment des talons de langue. Donc, je parle toujours la même langue, mais ça ne s'appelle pas maintenant comme avant. En plus, ils ont découvert de nouveaux alphabets à Monténégro. Quel progrès. Quelle surprise. Le progrès. Sinon, nos enfants commençons à aller à l'école avec 6 ans. Donc, chaque enfant, s'il a jusqu'à fin décembre, 6 ans, doit commencer le 1er septembre. À